commune, on se retrouve aujourd'hui enfin pour vous montrer la fin de la construction de la commode. Elle est terminée, ça y est, la fifi, elle était sage, non, te mets pas devant pourtant, allez, elle était sage sur le bureau devant pour faire de la couture, et elle a entendu comme d'hab le mot vidéo. Non, tu renifles pas la commode, tu te frottes pas sur la commode. Alors, elle est à l'instant, pile, là, il y a 10 secondes, je viens de la terminer, enfin. Alors, attends. Donc, elle n'est pas encore tout à fait sèche. Ah, je vais vous montrer. Viens, maman. Viens, mon zéri. J'ai quelqu'un qui a monté l'escalier aujourd'hui. Il est monté tout seul. Il a dit, tiens, je vais aller voir maman dans son atelier. J'ai jamais été voir. Hein? Ça, c'est Géry. C'est le pépère de la maison. Enfin, le pépère, il a 5 ans. Hein? Regarde là. Tu te vois? Tu te vois? Hein? Il a dit, je vais aller voir maman dans son atelier. Qu'est-ce qu'elle fait? Mon Pacha n'est pas monté. Il ne sait pas encore monter les escaliers. Oh, des bisous. Oh, aussi des bisous. Ah, foufou. Allez. Donc voilà, vous avez vu Géry. Donc j'ai à l'instant de la terminer, donc elle n'est pas tout à fait sèche. J'ai galéré un peu, surtout avec un tiroir. Mais bon, les intérieurs. C'est rien, c'est Fifi qui fait tout tomber. Je vous redresse. On va laisser comme ça. Hein. Alors, je rangerai après. Donc voilà. Alors, en dessous, j'espère que c'est sec, mais je ne pense pas que ce soit fini d'être sec. Non. Alors, comme je vous avais dit, vous avez vu, j'ai mis un liège pour éviter l'usure de la commode. Voilà. Donc, les petits tiroirs. Donc, le premier, ça, vous l'aviez déjà vu. Hein. Avec le petit coussin aiguille. Et puis là, bon, elle pourra mettre des ciseaux, un peu ce qu'elle veut. Ici, donc le tiroir avec tous les compartiments pour mettre toutes les cartonnettes de fil à broder. Alors, c'est celui-ci que j'ai... Voilà, j'ai du mal. Aïe, je l'ai coincé. Il est pas sec, c'est pour ça. Alors celui-ci, voilà. Et là, j'ai fait deux grands carrés pour ranger des petites choses. Voilà, celui-ci, il faut que je le mette sous presse. Vous voyez, parce qu'il n'est pas encore tout à fait sec, donc il faut que je le mette encore sous presse. Voilà, encore un tiroir avec des cases pour mettre les cartonnettes. Bon, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup de cartonnettes à ranger. Hein. Et le dernier, pareil. Voilà. Donc là, je vais ressortir celui qui coince, mais je vais mettre du poids dessus toute la nuit. Et comme ça, il va sécher et il va plus frotter. Donc voilà, je la remonte. Et donc, elle fait son poids. Vous voyez. Hop. Derrière. Je ne sais pas combien elle pèse, je ne l'ai pas pesée du coup, mais je crois qu'elle doit bien faire les 5 kilos, si ce n'est pas plus. Mais voilà, elle est enfin finie. Donc ici, après que j'aurai terminé de blablater, vous verrez la suite de la construction. Alors, je vous ai épargné la construction de tous les tiroirs intérieurs, puisque c'est toujours la même chose. Donc, je vous ai fait la vidéo pour un tiroir. Pour que vous voyez comment ça se fait, et je vous ai évité la construction des autres. Ça ne servait à rien que je vous filme les 4 tiroirs et vous montrer exactement la même chose. Donc voilà. Par contre, je ne vous ai pas filmé. Bon, là, j'ai oublié, mais bon, je pense que vous ne m'en voudrez pas. La pose du liège en dessous. Bon, le liège, j'ai juste coupé un carré de liège. Alors, le liège, moi, j'utilise, c'est un grand rouleau, vous savez qu'on vend ça dans les magasins de bricolage, du liège qu'on peut coller sur les murs.
Et donc je prends ça, j'ai découpé à la mesure de la commode. J'ai collé avec cette colle-là. Donc là, bon, je vais voir si ça tient bien avec ça. Normalement, oui. Et puis voilà, c'est tout. Ben sinon, il n'y a rien d'autre. Hein. Voilà, il y avait juste les tiroirs que vous n'aviez pas vus. La fin des tiroirs. Donc, elle est terminée. Ouf, Céline sait. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'ai passé quoi? Ouais, presque une trentaine d'heures dessus. Bon, là, j'en ai une autre en commande. Et j'en ai une à peu près du même style encore en commande. Mais bon, là maintenant, je me suis fait la main dessus, donc je pense que ça durera un peu moins longtemps. Mais voilà, donc là, j'ai passé une trentaine d'heures dessus quand même. Mais bon, ça a été. Mais sinon, elle est sympa à faire. Hein. Bon, elle est sympa, mais elle est longue à faire. Voilà, mais donc j'espère que elle te plaira, Céline, qu'elle te rendra bien service. Et puis voilà, que tu auras été contente. Alors maintenant, bon, pas aujourd'hui, mais demain, on est quoi demain? Oh, ben demain, on est le 8 mai, donc c'est férié. Je pense que je vais attaquer demain, oui. Parce qu'en plus, j'ai eu pas mal de choses à faire cette semaine. J'ai eu le docteur, j'ai eu rendez-vous à Pôle emploi. Attendez, je vais regarder si j'ai des offres d'emploi pour vous. Ah, bah non, il n'y en a pas. Bah oui. Sinon, ouais, j'étais au docteur, Pôle emploi. Voilà, j'ai des bricoles, donc j'étais pas mal prise. La vendredi, c'est le vétérinaire pour Pacha. Donc, bon, ça va vite, hein. C'est son vaccin contre la rage. Parce que si on passe la Belgique avec lui, vaut mieux qu'il essaie tous ses vaccins, puisque moi je suis frontalière. Et je vois Fifi qui regarde comment elle va faire pour sauter. Je surveille d'un œil. Et puis, voilà, donc je pense que j'attaquerai demain la boîte de Maria. Et voilà, je savais qu'elle allait sauter. Oui, mais te mets pas devant, on ne me voit plus. Voilà. Donc, oui, demain j'attaque la boîte à Maria. Là, excuse-moi, j'ai sommeil. Ça va aller plus vite là. Là, c'est une boîte livre. Et puis, lui faire la couverture de notebook. Donc, ça va aller beaucoup plus vite. Et ensuite, ben je vous l'ai déjà dit, hein, ça je me répète, il y a encore deux boîtes livres et une commode. Voilà, je vais faire mes boîtes livres avant, ça va me changer, et je fais la commode en dernier. Et puis j'ai encore donc une commode à encre que je dois faire. Donc Christine, si tu passes par là, viens me dire exactement, donc parce que j'attends que tu me dises. Comment tu la veux exactement, ta commode? Si tu la veux comme je t'ai envoyé le modèle, ou si tu la veux comme celle-ci, ou voilà. Ben sinon, ben voilà, c'est tout. J'ai réfléchi, ouais, c'est tout. Oh, excusez-moi. Pourtant, je dors. Le soleil est revenu, il y a des nuages. Je voudrais bien faire un peu mon jardin, parce que là, c'est la forêt vierge. Sinon, voilà. Bon, je vais redescendre mes bébêtes parce que Jerry est monté. Il a pris l'escalier pour monter. Mais descendre, il ne sait pas. Il a le vertige. Donc descendre, il ne saura pas descendre tout seul. Donc il faut que je le porte pour descendre. Donc voilà. Mais enfin, au moins, vous l'aurez vu. Allez, je vous laisse. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ici en dessous pour me dire ce que vous pensez de la commode, si elle vous a plu. Ah oui, petite chose, avant que vous voyez la suite. Alors, j'ai mis ça. Là, je crois. Voilà, on me demandait comment étaient les poignées. Donc, je crois que je ne vous les ai pas montrées. Voilà, alors attendez. Pip, 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 pip. J'ai un petit papier là.
Voilà, voilà ce que c'est. Vous voyez, c'est comme des attaches parisiennes. Voilà. Donc ça, on le plie. Voilà. Vous faites les trous dans le carton. Et après, vous n'avez plus qu'à plier. Comme ça. Voilà. Vous voyez, vous pliez à l'intérieur. Donc les deux. Et c'est tout. Et ça tient tout seul. Voilà. Et je vous referai une démo, peut-être. Enfin, si vous n'avez pas compris. Excusez-moi, mais je ne sais pas ce que j'ai d'un coup, là. Je vous ferai une démo, peut-être, sur une autre vidéo, ou bien sur la vidéo spéciale débutant, que je dois vous faire également. Puis, je dois vous refaire une vidéo pour le matériel que j'ai eu, là, les dies. Donc, je vais vous refaire une vidéo, parce que je vous les ai montrés en vitesse, hein, les découpes, tout ça. Mais je vous ferai une carte, un tuto carte avec ces dies. Parce que, bon, voilà, je vous en avais pas fait. Hein, j'ai fait un peu vite. Oh, excusez-moi, mais je ne sais pas du tout ce que j'ai là d'un coup. Je crois que c'est la pression qui redescend d'avoir fait cette commode. Ça, youpi, j'ai fini, ça... donc je vais vous faire une vidéo carte tuto avec les dies et puis voilà, ce sera déjà bien avec tout ça. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Non, Fifi, te frotte pas sur la commode, s'il te plaît. Donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Vous allez voir la fin de la construction de la commode, comment j'ai fait les intérieurs, pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi je baille comme ça, les intérieurs des tiroirs, et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Allez, bon visionnage et à très bientôt. Je vous embrasse tous très fort, à bientôt. Et je vous mets des photos de la commode à la fin de la vidéo. Bye bye. Bisous, bisous.